à l'église Sainte-Marie Forane en Inde. Comme signe de sa présence spéciale ici, le miel coule de la statue de la Sainte Vierge Marie, vénérée comme la Rosa Mystica, ce qui veut dire la rose mystique. En effet, au printemps 1947, la Sainte Vierge apparut comme Rosa Mystica à une infirmière dans le nord de l'Italie. Depuis, cet endroit est devenu un célèbre centre de pèlerinage marial. En 2008, le vicaire d'un petit village en Inde a apporté avec lui une petite statue de Rosa Mystica. Un jour, il a eu une inspiration et il a donné cette statue à Madame Cicilie, la femme que vous allez voir dans la vidéo, pour prier pendant 9 jours consécutifs la Sainte Vierge. Et elle accepta volontiers la mission. Et elle prit la statue dans sa maison le 5 octobre 2009. 2 jours après, pendant qu'elle récitait le rosaire, elle aperçut du miel qui coula de la statue de Rosa Mystica. Un parfum céleste émana de la statue. Elle en a informé le vicaire et il est venu chez elle. Il a vu l'événement merveilleux et il a goûté le miel. C'était du vrai miel. En entendant parler du miracle, les gens ont commencé à venir. Le 31 octobre 2009, la statue a été rapportée à l'église avec une grande dévotion. Les gens sont venus à l'église pour prier et voir le miracle. En 2012, le miel continue de couler de la statue miraculeuse. Il est recueilli par les prêtres dans l'église et distribué aux pèlerins qui en font la demande. Des milliers de personnes ont pris du miel et beaucoup ont signalé des guérisons merveilleuses et des résultats miraculeux. Leur témoignage attire de plus en plus de personnes dans ce sanctuaire marial. La Mère de Dieu y intervient comme Rosa Mystica. Madame Cicilie, elle-même, a reçu beaucoup de grâces et de cadeaux de Jésus et de la Sainte Vierge. Elle y a reçu les blessures de Jésus, les stigmates, pendant quelques jours. Et elle a eu diverses visions et révélations. Il faut signaler qu'elle a une statue de Rosa Mystica chez elle qui pleure du sang.